Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce tout nouveau Let's Play. Un Let's Play sur un jeu que j'attendais avec impatience. Je parle bien sûr de Murder Soul Suspect. Alors, le jeu, c'est un jeu quand même assez récent. Je l'ai depuis sa sortie, dans le fond. Je l'ai depuis sa date de sortie officielle. J'avais très hâte. Tout de suite, quand j'ai eu ce jeu, j'ai voulu faire en Let's Play. Je sais que la chaîne est très jeune et je veux marrer un nouveau Let's Play. Mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser des pouces verts comme à l'habitude pour savoir si le Let's Play vous l'aimez ou pas. Donc, un petit peu fiche technique du jeu comme je fais à l'habitude, dans mes vidéos. Murder Soul Suspect, sorti le 3 juin dernier ici au Canada, le 6 ou le 7 juin je crois en France. Bien sûr, il est déconseillé aux moins de 18 ans, donc avis aux personnes qui m'écouteraient présentement. C'est un jeu quand même avec de la violence. Ensuite, édité par Square Enix, développé par Alright Games, c'est un jeu d'aventure. Donc on va incarner le détective Ronan O'Connor qui va enquêter sur sa propre mort. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil ni rien. C'est dit dès le début si vous avez déjà vu des pendant 11 du jeu. Donc je vais juste aller voir ici. Oui, ça je suis d'accord. Je joue à la manette, non? Vous voyez option PC, mais je joue à la manette. Donc vous voyez que je ne joue pas en plein écran, tout simplement parce que c'est plus simple pour moi pour enregistrer. Ensuite, élevé quand même, comme vous voyez, j'ai quand même. Alors, élevé quand même les endroits. Sous-titres, c'est ça, je voulais voir en fait s'il y avait des sous-titres, mais c'est exactement ce qu'il y a. Donc, on va commencer sur le champ. Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de Crieur des Morts. S'entretenir avec un déportement. Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information et l'audit de la police. A été retrouvé par la police. Ce dessin d'une cloche. Plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom ? Maman m'a piqué mon portefeuille ! Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal ! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. O'Connor, je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Hein? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia! Non, m'abandonne pas! Reste avec moi! Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi.
T'es en état d'arrestation. Comment j'ai fait pour survivre à ça? Reste où t'es, pourriture. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Tout flic que tu jetteras par la fenêtre te retrouvera pour t'en coller une. Wow, juste avant d'avancer, wow, la cinématique là, c'est tout à fait incroyable. On a appris tellement de choses en si peu de temps là. Nous avons appris qu'avant nous étions criminels, donc avant de devenir détective, que ça ne fait pas l'unanimité de tout le monde, hein, d'après ce qu'on a pu voir. Que d'ailleurs on a plusieurs tatouages sur notre corps qui représentent. Nous avons perdu notre femme, d'après ce que j'ai vu, ou notre sœur. D'après moi c'est plus notre femme que notre sœur. Mais vraiment là, waouh, cette cinématique. Et là je ne peux rien faire, je ne peux pas tourner à droite ou à gauche. Je peux tout simplement avancer tout droit. Donc désolé hein, pour la vitesse, ce n'est pas moi qui contrôle. C'est sûr que faire une chute d'aussi haut, ça ne doit pas aider là. Ça doit être assez difficile. X pour ouvrir, d'accord. Alors c'est un jeu un petit peu qui mélange. C'est un jeu qui mélange un peu les noirs et plusieurs styles de jeu. Cette poignée bouge pas, elle est coincée. Hey, mon Dieu. Attention. D'accord. Non. J'adore toucher, utiliser le joystick gauche pour toucher votre visage. Je suis vivant. Il est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. J'adore bâtir cette petite phase, hein. C'est quand même assez... C'est quand même assez le fun, hein, si on voit pas ça tous les jours. Mais... Allez, quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Oh merde. Non. Allez. Merde. J'adore notre personnage qui se bat toujours avec sa... Avec sa cigarette là. Avec ce nombre de balles, je crois qu'on peut dire officiellement que l'on est mort, hein. Je suis pas sûr qu'on a survécu à cela. Avancer vers la lumière. Mais vraiment là. Non, mais. Mais je sens que je vais adorer ce jeu. Je sens vraiment que je vais adorer ce jeu. Mais waouh! Toutes les scènes qu'on a là, c'est tout simplement magnifique. Je ne vous ferai pas plus attendre. Hein. On va avancer. Des fantômes, donc. Des fantômes. Des esprits.
Il y a quelque chose dans les nuages que c'est notre ouais. Fin. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. Oh, c'est pas vrai. Julia. Je croyais que je te reverrais jamais. T'as l'air en forme. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont? Quoi? Quel pont? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance? Et c'est là que tu es? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps, réfléchis. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y! Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, ne fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Gitano! Me laisse pas, Julia! Et merde! Allô? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Et il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup oh, de non. sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Et toi? Est-ce que tu m'entends? Mais vraiment, ce jeu est immersif, là. Madame, s'il vous plaît! C'est pas vrai. Hé, toi! Hé, tu m'entends? Reviens! Tant qu'il y a d'autres fantômes, avancez vers l'univers objectif rempli. D'accord, suivez la jeune revenante. C'est la première fois que je vois un mort. Eh bien oui, mais t'as pas l'air d'avoir si peur que ça pour rester proche comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je ne sais pas. Il y a grand chose à faire, hein, je suis mort. Le fantôme peut traverser les objets du monde divin. Ah, ça c'est cool. Ah non, mais vraiment, je sens que je vais adorer. Hein. Donc il y a des choses comme vous voyez du monde des fantômes et il y a des choses du monde des vivants. D'accord, je te suis petite revenante, donc j'ai juste un petit peu peur. Hein. Mais bon, je n'ai pas trop le choix de te suivre, donc je vais le faire. Hein. Moi si je veux ce pouvoir de téléportation, je me dis qu'on va apprendre à sauter. Non, il faut que j'évite les obstacles. Je croyais qu'on allait apprendre à sauter. Hé, hey, pourquoi tu t'es enfui? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non? Fonctionne? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. On va te poser la question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que t'appelles mes talents? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les... Désolé pour ce petit bug de son. D'accord. Mes qualités de vie. Je croyais que tu avais des questions à me poser. Ah oui, j'y perds. Le sort m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Ah. Comment ça se fait? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite.
Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite, tu verras. Ah, je me suis déjà habitué. Pouvoir de fantôme. Les indices découverts au cours de l'enquête sont répertoriés ici. N'hésite pas à les consulter régulièrement pour te rafraîchir la mémoire. Alors que mes compétences de vivant se sont muées en pouvoir. Certains n'ont rien de particulier, d'autres sont uniques. Donc c'est ce qu'on a appris. Oh d'accord, on va avoir des affaires si vous pouvez consulter la collection d'objets rares tout au long de votre exploration salée. D'accord. Le fantôme peut traverser, ça on a compris. Les fantômes ont la capacité de posséder les êtres vivants, les compétences voire espionner suggérées sont disponibles lorsque vous possédez un être vivant. D'accord, on peut posséder un être vivant. Et vos compétences d'investigation seront jugées par le nombre d'insignes que vous obtenez. Plus le nombre, plus vous obtenez d'insignes, plus vous êtes un excellent détective. Ah bien, j'ai combien hein. D'accord, et... D'accord, des indices sur des personnages, donc... plusieurs chances. Ça fait longtemps que t'es ici, non? Moi? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper, ou d'autres pourraient te le voler. Je... Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais? C'est dingue. Donc si je comprends rien, pour pouvoir passer de l'autre côté du pont, c'est ça. Si je n'ai pas à résoudre ce que je vais, je pourrais rester prisonnier ici pour l'éternité, comme la petite fille, d'après moi. Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Donc je pourrais être la proie d'un démon si je ne suis pas vigilant. Donc il va bien avoir des ennemis. Il va bien avoir des ennemis. Donc... Je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Hé, 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 mais attends! Il faut que tu m'en dises plus! Bordel! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre? D'accord. Donc, ce type qui m'a assassiné sans froid est celui de mon affaire non résolue. Donc, on a les 4 indices de la jeune fille. Donc, j'imagine que plus tard, ça risque d'être plus compliqué. Revenir sur lui, mais je vais avoir juste quelque chose comme ça. Aïe. Eh bien, d'accord. Donc, ne plus jamais approcher. Je n'ai plus jamais approché de ce qui est rouge. Hein? C'est compris maintenant. Juste quelque chose ici. Non, je ne peux pas rentrer. On va fouiller un peu quand même. Hein. Ça fait déjà 20 minutes. Hein, mais là, le jeu m'entend. Je crois que je vais continuer. Donc. En fait, non, je vais vous laisser en suspens comme ça. Hein. Vous aurez la suite lors du prochain épisode. L'épisode de présentement fait environ une vingtaine de minutes. Ce let's play m'attire vraiment beaucoup, là j'en ai des frissons quand j'en parle. J'espère que vous le ressentez aussi, hein, mais n'hésitez pas, comme je vous dis, à en mettre en plein écran un jeu comme ça. Là, c'est un jeu qu'il faut mettre en plein écran. Donc, n'hésitez pas, comme je vous dis, à en mettre en plein écran. Et merci d'avoir encore été là, laissez des commentaires, des pouces verts, rejoignez notre page Facebook, notre page Twitter,
Regardez les autres vidéos sur la chaîne. Les vidéos de Cookie Ninja devraient être là ou seront bientôt là. Car je ne sais pas vraiment à l'heure où je tourne cette vidéo quand elle sera diffusée. Alors, merci à tous d'avoir été là et on se retrouve un peu plus tard. Allez, ciao!